Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, sur un nouveau jeu qui s'appelle Magic World... Non, je recommence. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psytrag et aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et sur un nouveau jeu qui s'appelle Magic Brick. J'espère que vous pétez la forme, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui les potes, je vais vous faire découvrir ce jeu, qui est un jeu 1 contre 1 en arène. Vous formez une guilde avec votre propre communauté, il y a un chat en réel, des batailles amicales, il y a plein de trucs à faire sur ce jeu, et c'est vachement cool. Vous pouvez faire des duels privés avec vos potes, il y a des clans, bien sûr, hein, quand on parle de clans, on va tout de suite y aller. Il y a le clan Utopia FR, donc si tu veux le rejoindre mon pote, c'est avec plaisir, rejoins-moi, et on va aller saler, on va aller faire du sale partout, hein. Le jeu de mode merde. On va tout de suite découvrir ce jeu, ok. Donc les potes, c'est Magic Brick Wars, c'est du 1v1. En arène, des decks, des cartes, et patati et patata, je vais vous le faire découvrir maintenant en même temps que vous. Je n'en sais pas plus à l'heure actuelle, ok? Alors, de ce que j'ai vu, ici, il y a le pass de combat, c'est-à-dire que vous récupérez des récompenses au fur et à mesure. Donc il y a la partie gratuite et la partie payante. Bien sûr, la partie payante, hein, je vais m'en abstenir pour l'instant. En haut, c'est le clan qui était... Ici, c'est les différents héros. Et moi, sauf que pour l'instant, j'en ai qu'un seul. Les bordures, bon, j'en ai rien. Titre, également, j'ai rien. Et de nom, Psytrag YouTube. Welcome. Alors, comment on va procéder? Il y a le shop, bien sûr. Bon, ça, c'est classique. Hein. C'est clairement classique. Ça, c'est une mine. Alors, j'ai déjà commencé à jouer. C'est-à-dire que vous pouvez débloquer de la vigueur, ce que vous voyez en bas. Et la vigueur, ça vous permet de miner. Et miner, bah, ça vous permet de ramasser de l'or et de ramasser certaines choses. Et là, vous voyez, j'ai plus de vigueur. Donc, je vais devoir attendre 9 minutes et 18 secondes pour avoir une vigueur, c'est-à-dire pour casser un bloc. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est pas folichon, folichon. Mais c'est assez original, cette idée d'aller miner comme ça. Après, bon, bah ici, le coup classique, hein. Ça, c'est mon personnage. J'ai un coffre gratuit, donc allez, on va se le prendre. Gratuit, let's go. 22 pièces. Attention. Laser de rangée, ok. Sorcier vaudou, ok. Flabustus, Flibustus, non, c'est Flibustus, ok, Flibustus. Ok, et briques de feu. Ah, dernier. Ça, c'est brique de glace. Encore un. Ça se finit jamais. Pirate. Ok. Alors, où est-ce que je vais pouvoir aller les augmenter? Ah, bah dans les cartes. Ok, donc ça, c'est les cartes. Donc ça, c'est celle que j'ai. Ok, et ça, c'est toutes celles que je n'ai pas. Ok, ok, ok. Bon, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Le jeu est tout neuf. Hein. Le jeu vient de sortir. Il est en tendance. Donc, laissez-le un peu se développer. Ok. Bah alors attendez, hop, on va directement augmenter tout ça. Parfait. Est-ce que je vais pouvoir l'augmenter? Non, je vais pas pouvoir. Ah là 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 là. Ok, donc ça c'est mon deck. Si je prends ça, comment je fais pour utiliser? Je peux le mettre à la place d'un truc, c'est ça si je comprends rien? Bon, pour l'instant je vais m'abstenir, je vais rien mettre. Et je sais que vous êtes impatient de voir comment ça se passe le gameplay. Et bah écoutez, c'est parti, let's go! Allez. Donc voilà, donc là vous êtes sur un zone comme un Tetris. Vous pouvez placer des défenses. On va attendre encore un peu. Je vais placer une défense ici. Je vais mettre... Hop là, ici. Voilà. Sauf que l'adversaire est en train de dormir, hein, je sais pas vous. Et donc là, hop, on dépose des murs. Et des murs de défense. Mais j'ai l'impression qu'il bouge pas trop en face là. Donc donc on va le charger, hein. On va vite finir cette game. Hein. Mais voilà, on peut placer des murs et faire une muraille. Et le but c'est que forcément votre adversaire, eh ben, il doit passer la muraille et ensuite vous taper.
Ok, bon. Bon, c'était une game assez simple. Hein. Mon adversaire, il a pas trop bougé. Ok. Parfait. On va passer tout ça. C'était pas folichon hein, cette game. Hein. Allez, on repart directement en espérant tomber sur des adversaires de haut niveau, tu vois, de compétition. Là, je tombe contre Wooks, qui est débutant comme moi. Allez, en espérant que lui ne dorme pas trop. On va attendre que la barre se recharge. Je vais en envoyer un là. Un ici également. Ok, il vient de poser un mur. Je vais, pour l'instant, je vais le garder ce mur là. Ok, je vais en mettre un ici. Je vais mettre un vaudou également là. Allez, là, il y a un trou. Hop, je vais mettre un squelette derrière. Allez, là, mange un squelette qui passe là-haut. Allez. On va tout mettre l'un derrière l'autre. Ici, j'ai un trou. C'est pour moi. Mettre le double mur ici. Ok, plus qu'un coup il est mort. Plus qu'un coup il est mort. Aïe, moi aussi. Ok. Non. Non. C'est la défaite. C'est la défaite. Bon. Bon, bah ok. Hein. Je me suis fait laver, j'ai mal joué. Autant pour moi. J'aime bien, c'est assez interactif. Ça ressemble par principe à Clash of Clash Royale. Ouais, désolé, hein. Moi, Clash of Clans et Clash Royale, j'ai toujours confondu. J'ai jamais joué à l'un des deux. Donc voilà. Mais de mémoire, ça ressemble à Clash Royale. Voilà. Alors, dans les cartes, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, je vais pouvoir l'augmenter. Parfait. Mais le problème, c'est que j'ai envie de repartir. Ah, je vais pouvoir augmenter ça aussi. Ok. Ok, je peux rien augmenter d'autre. J'ai un truc gratuit. Où est-ce qu'il est, le truc gratuit? Il est là. Ok, j'ai récupéré mes pièces gratuites. Parfait. Je vais aller up les cartes également. Parfait. Ok, allez, let's go. Et cette fois-ci, je me concentre. Ok, je joue contre Hugo, qui est débutant 2. Allez. Let's go. Alright. Ok. Parfait. Allez, je vais mettre un à l'opposé, Speedy Gonzalez. Ok. Parfait.
Trop tard. Ok, je vais pouvoir leur mettre un speed et Gonzalez pareil. Let's go. Et bim. Ok. Lui, et alors, je vais me le faire. Mettre le vaudou derrière. Mais normalement c'est bon. Normalement c'est bon, si tout se passe bien. Let's go. Parfait. Allez, dernier speedy Gonzalez. Let's go. Pouf. Oh non, il s'est fait contrer. Oh non. Bah allez, en espérant que ça le fasse. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Victory. Yeah. Ok, j'ai gagné 40 pièces d'or, une boîte ensuite à débloquer avec le timer et 12 trophées. Parfait. Plus 20 XP. Parfait, parfait, bientôt 2. Allez, on s'en fera pas une ou pas? Allez, celle-là, c'est offert par la maison. Je vais voir si je peux pas augmenter une carte. Je vais changer, par exemple, celle-là. Si je le mets à la place... Non, vas-y, j'aime bien mon deck, là. J'ai pas envie de changer pour le moment, je m'y connais pas. Allez, let's go. Allez, tout d'abord. Ah, je peux changer la position. Le... Regardez, je peux faire comme ça. Ok. Mettre deux vaudous l'un derrière l'autre. Donc, ça, c'est du poison le vert. Ok. Ok. Si franchement j'arrive à lui faire un 100%, je serais content de moi. Oh, 10% de batterie. Où est-ce que ça pue? Je crois que je suis le seul mec qui fait des vidéos avec aussi peu de batterie. Attendez, faut que je tourne de chance. Voilà, comme ça. Un vaudou ici. Mettre le mur ici. Parfait. Un petit speedy Gonzalez par là. Ah non, je suis con, il a mis son poison. Oh, je suis vraiment bête. Non, c'est bon, non, c'est bon. Parfait. Allez, let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ok. Donc là, plus 11 terres, plus 11 pièces d'or, et encore une boîte. C'est bien. Dégâts, mur infligé. Et n'empêche, j'ai fait un 100%, du coup, ça veut dire 10-0. Dégâts sur mur subi, 0-10. Dégâts infligés, 5400. Lui, 4600. Dégâts subis, 4900. Et lui... 5400, ok, bon bah c'est bien ça, résumé de la partie. Carte jouée, j'ai joué plus de cartes que lui. Ah c'est bien ça, on peut voir tout. Brique de placer, j'en ai placé plus que lui. Ok. Rangée complétée. Alors je sais pas ce que c'est encore. Colonne complétée, ah ok d'accord. Donc c'est à dire les rangées quand il y a full brique. Et dans les colonnes également. Unité détruite, j'en ai détruit 11, il m'en a détruit 13, c'est-à-dire vu que j'ai joué plus que lui, il m'en a détruit quand même plus que moi. Ok, bon, bah let's go. Du coup j'imagine qu'on passe niveau 2. Parfait, 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 level up. Alright, let's go.
Bon bah ça fait zizir. C'est un jeu simple à jouer, c'est-à-dire que pas de prise de tête, une seule main dans le bus, une seule main aux toilettes, une seule main quand tu fais ce que tu veux. Hein. C'est simple à jouer, il y a quand même de la stratégie à avoir. On va lancer le déblocage pour celle-là. Prochaine vidéo, sûrement un petit pack opening, hein, j'imagine bien. On va aller récupérer les récompenses, du coup. On peut pas récupérer. Pourquoi on peut pas récupérer? Pourquoi je peux pas récupérer là? Ah, c'est des défis! Ok, d'accord, c'est des défis. Récupérer 5 offres gratuites auprès de la boutique. Défi mystère. Ouvrez 3 coffres magiques. Alright. Bon bah voilà. Donc j'espère que les gens... ce jeu vous plaît. Si c'est le cas, bah écoutez, vous pouvez le retrouver sur le Google Store et sur le Play Store. Vous pouvez le retrouver partout quoi. Partout. J'imagine que sur PC également c'est jouable. Pour ma part, je joue sur ma tablette. C'est assez correct, ça fait pas mal au crâne, c'est bien. Et voilà. Enfin voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Puis moi je vous donne rendez-vous très vite sur une nouvelle vidéo, sûrement sur ce jeu, ou peut-être encore un nouveau jeu. Mais ce sera peut-être sur ce jeu. Si je vois que ça vous plaît, bah écoutez, on se donne rendez-vous très vite. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton commentaire et à t'abonner. Je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'était Petit Rag. Bye bye. Abonne.